Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une batterie vendue par Powerhead. Alors, elle arrive dans ce carton. On a, comme on peut le voir, un câble USB, micro USB, et on a un mode d'emploi en français. Donc, la traduction est approximative, mais on comprend, notamment les LED, là, le système des LED. On nous annonce du 5000 mAh. Donc, toujours à modérer, puisque comme la batterie va tendance à s'échauffer, et dans les cycles de charge, il y a toujours des pertes d'énergie qui se chiffrent sur toutes les batteries externes à environ 25%. Donc, on sera en dessous des 4000 mAh réellement utilisables. Mais c'est le cas pour toutes les batteries, mais je tiens à le préciser quand même. On a donc là, j'ai fait un test en essayant de charger une autre batterie qui peut supporter 1,80 A. Et donc là, on voit que le tout est relié, hein, et qu'on a 1,79 mA. Donc c'est presque le maximum possible, hein. Je vous dis, c'est à 80. Ça se trouve, en touchant un peu, on arrive même, voilà, voilà, on arrive au maximum possible. On voit que ça défile naturellement. Donc ça recharge vraiment très vite, très bien. C'était le but, hein. Par contre, du coup, on va perdre un peu en finesse. Hein. Donc, voilà, elle est quand même assez petite, hein, elle tient dans la main, mais elle est beaucoup moins fine que les premiers modèles. Et justement, ceci, c'est à cause de sa performance plus importante, puisqu'on voit qu'elle supporte 2 ampères, que ce soit en entrée ou en sortie. Mais forcément, elle est un peu plus lourde et un peu plus encombrante. On parlait de poids, là on est 0, hop, on la met dessus et on est voilà, autour de 121 grammes pour cette batterie. Donc voilà, on a fait grosso modo le tour, hein, avec le bouton qui ne sert pas à allumer de lampe mais juste à dire le niveau des LED. Hein. Voilà, donc pour là on sait que par exemple qu'on est à moins de 50% de charge restante. Donc j'espère que cet aperçu aura son utilité, hein, et que pourra vous guider votre choix. Et je vous dis donc à bientôt. Bye bye!